Bon, il y a Monsieur Jimmy Ziali. Jimmy Ziali, vous pouvez le voir sur la photo, il a été arrêté. Bon, on nous dit que c'est le directeur de l'ANR, il était le porte-parole civil du gouverneur par intérim Thierry Mwami. Donc, il a été surpris avec des preuves d'intelligence avec le M23 RDF, donc avec Paul Kagame. Plusieurs conversations. Est-il un Rwandais? Peut-être. Mais à côté du gouverneur de province Thierry Mwami, est-ce que Thierry Mwami est saint? Est-ce qu'il n'est pas mouillé dedans? Nous savons que quand il y a un corrompu comme Jimmy Nziali à côté de Thierry Mwami, mais je pense bien qu'il doit avoir corrompu M. Thierry Mwami. Bien sûr, Thierry Mwami n'a pas été attrapé avec des conversations. Tout ça, on n'a pas intercepté des conversations avec le M23, mais il vivait tous les jours que le porte-parole, M. Jimmy Nziali de l'ANR, était là, à côté de lui avec les deux adjoints. Pouvait-il ignorer? N'a-t-elle pas pu être influencée? Par mesure de prudence, je demanderai à Jean-Pierre Bemba, le ministre de la Défense, par précaution, d'écarter Thierry Mwami. C'est très dangereux, ça. Ça, c'est le M23 au sein du gouvernement. Et on dit qu'il a été arrêté avec ses deux adjoints. C'est très grave, ça, chers compatriotes. Nous sommes vraiment infiltrés, infiltrés, et non seulement infiltrés, il y a des Congolais et même des Congolaises qui trahissent le pays. L'ancienne ministre Nenenkulu Ilunga, elle a été arrêtée. Même enceinte, on dirait que sa grossesse est à terme. Elle a déjà été transférée à Kinshasa. Permettez, je vais essayer de lire les articles des médias qui en parlent. Voilà, chers compatriotes, concernant Monsieur Nziali, Jimmy Nziali, le porte-parole civil du gouverneur par intérim Thierry Mwami. Je me suis inspiré de, comment il s'appelle là, Kibenge TV. Kibenge TV. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre, mais je vais essayez. Eh bien, si vous l'entendez. Non, 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 je ne vais pas risquer. Bon, je vais lire seulement. Le M23 au sein du gouvernement, Jimmy Ziali, arrêté à Goma pour communication permanente avec le M23 RDF. Voilà, comme vous le voyez sur. Sur la photo, hein. Donc, Jimmy Ziali à côté de Thierry Mwami. Eh bien, parfois, je me demande, le gouverneur par intérim Thierry Mwami, le gouverneur militaire, pouvait-il ignorer tout ce qui s'est passé avec Jimmy Ziali? Ben, certains disent que il serait innocent.
et qu'il est tout simplement victime de ce qu'auraient fait les adjoints là de l'ANR, et peut-être Thierry Moimi aussi, mais voilà, selon une source sécuritaire, l'arrestation est due à sa communication permanente avec le M23 et Corneille Nangaa. Cette même source dit que ce proche du ministre Paluku et ancien porte-parole de son parti risque d'être jugé pour haute trahison et collaboration avec les terroristes. Voilà en bref concernant Jimmy Ziali. Bon, cela prouve, chers compatriotes, que nous avons été, et nous le sommes peut-être encore, mais pas comme ces 5 dernières années, hein, que nous avons été infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Ouais, au sens figuré. Et je pense, comme le dit notre ami Kibeng TV, que par mesure de prudence, avant d'attaquer le Rwanda, le président Félix Tshisekedi est parti chercher la SADC. Parce que nous sommes infiltrés, même par des personnes que vous ne pouvez même pas soupçonner. Qui peut soupçonner ce monsieur Ziali? Il ressemble à tous les Congolais. Il a une morphologie bantou. Qui peut le soupçonner? Et ses deux adjoints également. Voilà, chers compatriotes. Alors, je vais chercher l'article concernant. Elle s'appelle encore comment? Nenenkulu. Non, c'est pas ici, peut-être ici, non, peut-être là-bas. Nenekulu, c'est où est-ce que j'ai vu cet article? Où est-ce que j'ai vu cet article concernant Nenekulu? Peut-être ici. Non. Eh bien, je ne vois plus l'article, chers compatriotes. L'essentiel, je l'ai lu pour vous. Alors, l'ancienne ministre à l'époque de Kabila, d'abord PPRD, puis elle avait créé son parti politique. Bon, elle est arrêtée pour intelligence avec le M23. Pour intelligence avec ennemi. Elle sera peut-être, elle risque d'être jugée également pour haute trahison. Voilà, je vous avais dit que j'allais piocher aussi dans la revue de la presse.